Merci, merci à tous les Digoussiennes et Digoussiens qui sont ici ce soir. Merci au comité d'organisation d'avoir organisé ce soir cette cérémonie extrêmement importante. Je n'ai pas prévu de discours ce soir écrit, parce que je voulais parler avec le cœur, par mon cœur avec vous, et ne pas avoir un discours écrit. J'aimerais vraiment tout d'abord, d'abord féliciter en votre nom à tous. Cyril Abdo, l'ex-coach pour Ligue nationale. Je connaissais son père, donc ça veut dire que je commence à vieillir également. Je profite de cette occasion aussi pour féliciter le groupe culturel qui est venu de Djibouti pour vous, pour cette soirée extrêmement importante, et je tenais véritablement à le remercier. Ceci étant dit, j'aimerais profiter aussi de cette occasion pour féliciter tous les Djiboutiens et toutes les Djiboutiennes pour avoir réussi leur examen. C'est quelque chose de très très important pour vous, mais c'est aussi quelque chose de très important pour Djibouti, notre pays, et savoir que les Djiboutiens qui sont ici travaillent et sont dans la perspective de construire et de bâtir un pays fort est quelque chose de très important, et je tenais à vous le dire. Je sais que la soirée de ce soir est une soirée festive, donc inutile de prolonger un discours qui soit long, et je voulais juste profiter de cette occasion aussi pour féliciter pas seulement les organisateurs, mais ceux qui soutiennent à travers ça, Air Djibouti, avec la représentante de notre bureau d'Air Djibouti ici, que je demande d'applaudir très vivement. La communauté djiboutienne vivant à Addis Abeba, qui vous a apporté un soutien aussi très fort. J'aimerais aussi les féliciter en votre nom. Les ports de Djibouti, je sais que la représentante des ports, quand on dit en général, quand on est à 10, on parle du port de Djibouti, mais c'est les ports de Djibouti. J'aimerais remercier Mme Khadra qui est ici avec nous. Qu'à partir de cette année, nous sommes en train de finir notre ambassade, et qu'à partir de l'année prochaine, les Djiboutiens pourront fêter leur remise de diplôme dans leur ambassade de Djibouti.